Tout le monde a ensemble 1 Samuel 9, chapitre 9. Amen. C'est bon? Écoutez-les, vous allez voir. Ok. Merci Seigneur pour ta parole. Il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tessor, fils de Vekora, fils de Abishag, fils de Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beaucoup que les enfants d'Israël, les dépassant tous de la tête. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les années de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va et cherche les années. Amen. Il passa par les montagnes d'Éphraïm, dis à ton voisin, les montagnes d'Éphraïm. Première étape, il est passé par les montagnes. Deuxième étape, il traversa le pays de Shalisha. Dit, il traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ensuite, il faut dire, il passait par le pays de Shalim. Il passait par le pays de Shalim. Il ne les trouvait pas. Ça fait combien d'endroits? Ça fait combien? Trois. On continue. Il parcourut le pays de Benjamin et ne le trouvait pas. Ça fait combien? 4. Ils étaient arrivés dans le pays de Sup lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens et retournons, de peur que mon père, oubliant les ânes, ne soit en perte de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être fera-t-il connaître le chemin que nous devons. Saül dit à son serviteur, écoutez très bien ce passage et vous répétez après moi. Mais si, nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs. Et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Amen. C'est une culture. Le juif, c'est lui qui a une alliance avec Dieu. Mais leur force, c'est que les lois que je vous enseigne, ils les appliquent. Et donc ça fait qu'ils sont bénis. Et donc quand le monde ne connaît pas ce mystère, on préfère chercher à un. Quand tu prends un juif, ça devient comme un genre de mysticisme. Quand on prend un juif, on travaille un juif, on est riche. Oui, tu seras riche parce que lui, respectant ses lois, la bénédiction descend sur lui. Maintenant, toi, tu l'utilises comme canal pour recevoir. Mais aujourd'hui, on t'apprend leur secret. Ils ont appris qu'un homme de Dieu est la théophanie de Dieu, la représentation physique de Dieu. Donc, quand tu vas voir un homme de Dieu, tu ne pars pas les mains vides. Parce qu'en réalité, ce n'est pas lui que tu vas voir, mais c'est Dieu. Et donc, c'est comme tu vas faire un présent à Dieu. Mais en faisant un présent à Dieu, avant même que toi, tu aies fait tes paroles de ton souci, mais tu es en train de toucher le cœur. C'est ça, honorer ton père. Et c'est ça qu'il était en train déjà de mettre en application. Eux, leur force, regardez, eux, c'est le portateur. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Parce que, regardez, moi-même, je vous assure, je suis obligé de contracter les 10 commandements. Je suis obligé de contracter, sinon on peut passer une année sur ce commandement. Jusqu'aujourd'hui, l'Ancien Testament, là, Paul ne fait que dévoiler. Moi, c'est dans l'Ancien Testament, j'ai appris le principe du baptême par immersion, le principe du baptême dans le Saint-Esprit, toutes ces étapes. À partir du peuple d'Israël, le Saint-Esprit me dit, non, laisse le nouveau, allons dans l'ancien. Même dans le jardin d'Éden, nous savons même pas qui a parlé. Beaucoup disent que la Bible, c'est ça. Donc aujourd'hui,
que vous compreniez que le secret pour que vos vies, que respectent ces lois, tu es plus béni qu'un juif. Il suffit seulement de les respecter. Amen. Le serviteur reprit la parole et dit à Saül : voici, je suis moi un quart de sicle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Parole du Seigneur. Amen. Je ne vais pas venir vous dire que quand vous venez voir missionnaire, il faut soulever sac de riz, il faut soulever casier de choses. Ça n'a rien à voir avec ça. Et il y a d'autres gars qui étaient déjà prêts. Mon petit sac de riz là. Allez diviser ça la nuit là. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Amen. Vous allez comprendre. Écoutez. Saül est fils de berger. Est-ce que vous comprenez? Il est fils de berger. Et dans le troupeau de son père, il y a un groupe d'animaux qui ont disparu. Amen. Et parmi ses frères, c'est lui que son père désire pour aller les chercher. Et le père dit, va avec l'un de mes serviteurs. Amen. Et regardez ce qui est intéressant. Le père a dit, allez chercher les ânes. Mais le père n'a pas dit, si vous ne trouvez pas, ne venez pas. Mais il y a quelque chose qui m'a frappé avec ça. Je vous ai dit de compter, on a compté jusqu'à 4 régions qu'il a parcourues. Mais combien d'entre nous font ça? Combien d'entre nous, lorsque ton père, qu'il soit biologique ou spirituel, te confie quelque chose et que tu n'arrives pas à le faire, combien arrivent à dire, même si je n'ai pas réussi, je vais encore chercher? Je peux dire par exemple, on a besoin de moyens. Je prends un exemple concret. On a besoin de moyens pour le temps. Tu prends ton courage. Bon, je m'en vais voir un tonton. Tu vas le voir. Lui, il te parle très mal. Mais si c'est sérieux, là, il y a longtemps, il est retourné. Ah, papa, t'es je ne sais pas, des années. Franchement, moi, j'ai allé derrière là. Il n'y a rien. Ah, il n'y a rien. Tu prends, ils ont tué ça. Amen. 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 C'est pas la même chose quand nos parents nous envoient, on parle en père. Nous les jeunes, en ange, maman aussi là à côté. Hein? Voilà, même maman aussi. Maintenant, nous les jeunes, quand on nous envoie à peur, ah la vieille toi aussi, hein? Ah la vieille, ah tu es sagé. Ah! Et ça, il n'a pas dit à ça. Regardez! C'est parce qu'il n'y a pas une carte pour vous montrer la distance de cet kilomètre qu'il a parcouru. C'est comme s'il avait ici d'abou. Il cherche. Mais à ce moment, il n'y a pas portable. Pourquoi vous me dites non, papa, peut-être son papa. L'appeler pour dire si tu ne trouves pas, il ne faut pas rentrer. Mais il avait la crainte déjà du père. Donc la première dimension du père Biosma. Au nom de ton père Biosma, lui, il a déjà. Donc il peut passer pour prendre maintenant la bénédiction du Père spirituel. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux vous dire? Ça dit quoi? Je vous ai expliqué qu'il y a 3 dimensions du Père. Il y a ton Père biologique, il y a ton Père spirituel et il y a Dieu qui est ton Père. Le Père biologique là, si tu en as en adéquation avec lui, tu reçois sa bénédiction. Mais tu reçois sa bénédiction, tu es obligé de passer à l'autre étape. C'est fini. Là maintenant, Dieu va t'envoyer dans la dimension du Père spirituel. Qui lui maintenant va te faire te transmettre une bénédiction qui est céleste. Et ça se dit, c'est passé pour Saül. Saül honore son Père. C'est pas moi qui le dis, mais quand on voit ça, c'est sous-entendu. 4 régions pour trouver des âmes. Au risque de sa vie, à la période, il y a Lyon. Il y a les loups, il y a les animaux sauvages. Mais il s'en va. Il faut que je trouve ça pour mon père. Il faut que je trouve mon père. Donc, vous voyez, je comprends encore mieux. Parce que pour mieux comprendre le contexte, le peuple d'Israël, Dieu est le roi d'Israël. Mais le peuple d'Israël a commencé à copier les autres peuples païens. Or, Dieu a voulu prendre
considère comme le modèle de l'humanité. Pour dire que toutes les nations doivent copier sur. Malheureusement, les autres peuples ont commencé à contaminer le peuple. Et ils sont venus voir Samuel. Ils disent non, on ne veut plus que Dieu soit notre roi. On veut que nous-mêmes, un homme soit notre roi. Ça fait mal à Samuel. Mais Dieu a dit qu'il faut les laisser. C'est comme ça, il a dit. Dieu a commencé à chercher un esprit dans tout le peuple d'Israël qui va être le roi. Mais quel critère Dieu a pris? C'est ce que je suis en train de dire. Donc, s'il est déclaré sur ta vie que tu dois, comme on le lit dans le Nouveau Testament, c'est comme les enseignements qu'on vous donne dans les églises sur l'évangile de prospérité, tu es prospère, tu es béni et autres, c'est vrai. Mais ce qu'ils oublient, il y a une condition. Si tu remplis les conditions qui sont énumérés dans l'Ancien Testament au niveau des 10 commandements que tu remplis, à ce moment-là, tu es éligible pour être maintenant dans ce plan. Sinon, ça ne marchera pas. Tu n'as pas beaucoup sont déjà éloignés. Amen. 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 Pour acclamer le Seigneur. Pourquoi se bat franchement? Pourquoi se bat? On nous a trop menti. Pourquoi on éclaire les choses telles qu'elles sont? Sur quel critère Dieu s'est appuyé? Regardez, il n'a pas regardé au fait que Saül est quelqu'un qui prie beaucoup. Satan nous interpelle. Il n'a pas regardé que Saül est quelqu'un qui fait beaucoup d'offrandes à l'église. Il n'a pas regardé que Saül est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans la présence de Dieu. Il est spirituel. Non! Le critère qu'il a regardé au détriment des autres enfants, c'est que Saül est quelqu'un qui honore son père. Donc cette affaire de notre père et ta mère là, ne minimise pas. Ça te rend éligible au plan glorieux que Dieu a pour toi. Si tu ne le fais pas, tu te disqualifies. Écoutez, ce que tu veux comprendre, Dieu, il a un plan glorieux pour toi. Mais si tu ne. Ce qui vous trompe, c'est que vous, vos bénédictions, vous voulez les mettre au même niveau que la bénédiction de Dieu. Non. La bénédiction d'une divinité est différent de la bénédiction d'un homme. Toi, tu peux voir ta bénédiction en termes de peut-être je me marie, je travaille, on me donne peut-être un bon salaire. Mais chez Dieu, ça insigne. Quand Dieu bénit, pour vous donner un exemple en Afrique, c'est comme David de Dieu de Pau, voilà. Comme les pasteurs Christ, c'est eux-là qui sont rentrés, qui ont commencé à toucher. Et même ils le disent, c'est maintenant qu'on expérimente la bénédiction de Dieu. Quand il bénit, c'est comme Salomon. Je ne sais pas si vous voyez. Il te sort d'une vie ordinaire à un destin extraordinaire. C'est ça Dieu. Donc Saül a été éligible selon Dieu parmi tout ce peuple à cause du fait qu'il avait la crainte de ses parents. Le respect qu'il leur vouait. Donc si nous, ce soir, nous savons que nous avons encore ces portes-là qui ne sont pas fermées dans nos vies, qu'on a encore des frictions avec les parents, pas parce que c'est pour. Bon, ça a fait plaisir au papa, en bas de lui, il va se moquer. Faut penser à ce passage. Sans ça, Dieu ne te qualifie pas. Ça veut dire que on va faire ton revêtement, on va faire ton rachat, on va faire le baptême, on va faire des enveloppes ici. Tu vas même donner plus que nous tous, tant que cette prêche-là n'est pas colmatée, ta bénédiction ne peut pas descendre. C'est le langage là, on ne vous dit pas. Donc, il faut déjà bloquer toute initiative qui va à l'encontre de ta relation avec toi. S'il y a des frictions, s'il y a des oppositions, il faut tout faire pour que cela soit réglé. Amen. Maintenant, regardez. Il fait la première vie. Il fait la deuxième. Il fait la troisième. Il fait la quatrième. Et enfin, il dit quoi? On a tout trouvé. On est fatigué. On va rentrer. Ce que je veux vous faire comprendre, le père spirituel, il y en a un seul. Mais les autres, spirituels, ne confondez pas. Il y a un seul père. Les guides te font passer de ville en ville. Saül est parti dans la première ville. Il n'a pas trouvé les âmes. Il allait dans la deuxième ville. Il n'a pas trouvé les âmes. Il allait dans la troisième ville, il n'a pas trouvé les âmes. Il allait dans la quatrième. Tant que tu as encore la force de vouloir chercher, tu ne peux pas encore rencontrer ton père spirituel. Bien.
Saül n'était pas dans la première vie. Samuel n'était pas dans la première vie. Samuel était dans la dernière vie. Là où, où Saül lui-même il dit à son serviteur, je suis fatigué, je n'ai plus de force. C'est à ce moment que le Père spirituel fait son entrée. Lorsque tu as fini de dépenser ton énergie, lorsque tu as fini de dépenser ton argent dans les églises, à courir après le ciel, à courir après le salut, à courir après ton exaucement, c'est à ce moment que tu reconnais que malgré tous ces efforts, tu ne vois pas la main de Dieu, que tu es fatigué, tu ne sais à quel saint te vouer. C'est à ce moment que Dieu va révéler ton Samuel. Samuel n'est pas tant que tu n'es pas encore fatigué. Vous savez pourquoi? Parce que s'il vient la première vie, tu risques de profaner ce qu'il va te donner. Parce que lui, il est un faiseur de roi. La royauté ne s'acquiert pas de façon facile. C'est pourquoi il dit mon or. Quand il parle de la royauté, les gens n'ont pas compris. C'est pas l'argent. Il dit mon or est sept fois épuré. Pourquoi il dit ça? L'or de Dieu, la royauté, passe par son feu. Samuel pouvait se présenter à la première vie. Non. Donc, ça veut dire quoi? Entre Saül et Samuel, il y avait une étape qu'on appelle l'épreuve. Et dans cette épreuve, Satan fait tout pour te dire retourne. Je ne sais pas si vous me comprenez. Après la première vie, il peut retourner. Beaucoup sont retournés, donc ne peut pas rencontrer Samuel. Pourquoi? Après avoir tenté une première fois quelque chose ou avoir prié pour quelque chose, n'ayant pas été exaucé, ont décidé de retourner. Et ton Samuel attend. Et là, il a dans sa main ta royauté. Mais tant que tu ne franchiras pas les étapes pour pouvoir venir le rencontrer, ta royauté restera dans sa main, suspendue. Et toi, tu vas maintenir ta vie de berger. Est-ce que vous me comprenez? Satan fera tout pour t'amener à rester, à renoncer, pour t'amener à quitter, à repartir. Oh non, c'est ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Ce que j'enseigne là, c'est pas nouveau. Ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés, ils sont entrés dans la Cana. Ils sont en train de faire comme Saül qui est en train de d'arriver à pouvoir arriver chez Samuel. Parce que c'est là-bas que Dieu va révéler Moïse, la dimension surnaturelle de Moïse. Moïse devait maintenant les amener à rentrer à Cana et posséder la possession en tant que roi. C'était lui qui était le Samuel. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Satan va faire que dans cette rencontre-là, ils disent quoi? Exode 16. Ils sont venus. Il dit, mais toi Moïse, là, tu nous as amenés dans le désert. Mais on était mieux en Égypte. Mais c'est ça. Satan fait tout pour te ramener en arrière, pour le pas que tu rencontres ton destin spirituel, qui est ta royauté. Il fera tout. Donc, toutefois qu'il y a en toi un découragement, toutefois qu'il y a en toi une pensée, des offres, des raisonnements qui concourent à te rééloigner de ton père spirituel, qui concourent à te séparer du plan de Dieu, d'évoluer dans la présence de ton père spirituel, sache que tu es en train d'aller contre ton plan toi-même. Satan sait que si Saül franchit ces quatre étapes, il va rencontrer Samuel. Mais il y avait le père spirituel, mais pourtant lui, c'est comme ça, mais pas parce qu'on a pris le verset assez proche. Dieu lui a dit, tu vas aller loin le nouveau roi qu'ils ont demandé. Mais ce qui est extraordinaire, je n'ai pas vu Samuel se promener dans tout Israël pour dire je cherche. Lui, il attend. Il attend, il a la royauté dans sa main, lui il attend. Le guide, lui viendra. Et après un moment, il te dira, de son gré ou contre son gré, il te montrera la voie. Voilà le guide. Ça, c'est le rôle du guide. Il ne peut pas changer ton destin. Il ne peut pas changer ton destin. Non. Il n'en a pas la capacité. Parce que les faiseurs de roi, ils sont exceptionnels, ils sont rares dans l'œuvre de Dieu. Il n'y en a pas beaucoup. Le faiseur de roi, c'est la personne, lorsque tu la rencontres, ton destin se bouleverse. Quand tu rencontres la personne,
Tu passes d'une vie ordinaire extraordinaire. Et allez, si Saül n'avait pas fait la rencontre de Samuel, il aurait retrouvé les âmes et il serait retourné chez son père et il allait vivre toute sa vie comme berger. C'est cet aspect-là qu'il ne faut pas oublier. Mais quand on actualise, c'est quoi? C'est toi aujourd'hui qui travaille ou qui fait ton activité, qui va au travail, qui a un salaire. Ça, c'est la vie ordinaire. Que à l'intérieur, il n'y avait pas société, mais c'était une activité. Donc c'est comme ça que nous vivons. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens se complaisent dans cette vie. J'ai un salaire, je suis payé à la fin du mois, c'est bon. Tu décides de vivre la vie du berger. Alors que Dieu, dans les cieux, t'a destiné un destin de roi. C'est maintenant que vous devez comprendre le rôle du père spirituel. Le père spirituel a pour but d'amener ton destin à passer d'un destin ordinaire à un destin royal. C'est-à-dire, il a le sceau pour amener la royauté dans ta vie. Et figure-toi que cette royauté ne dépend pas de tes antécédents ou de ta parenté ou de ta vie passée. De son papa. Dans ses pensées, il ne voyait que les âmes. Comme toi, dans tes pensées, tu peux avoir comme projet, on lui dit, que le travail, que le mariage, que le voyage, que la prospérité. Oui. Mais ce sont des choses. Jésus, lui, l'a appelé ça chose. Dans cet enseignement, on appelle ça les âmes. Tu veux retrouver les âmes. Quand tu veux du travail, ce sont des âmes. Quand tu veux voyager, ce sont des âmes. Quand tu veux faire quoi? Tu veux la guérison, ce sont des âmes. Quand tu veux te marier, ce sont des âmes. Mais ce n'est pas la royauté. Donc la vision de Dieu est différente de la vision des hommes. Donc quand tu commences à ne pas comprendre ce pourquoi Dieu a mis sur ton chemin un père spirituel, c'est que tu ne comprends pas quelle est sa mission. Lui n'est pas venu pour que tu te maries. Il n'est pas venu pour que tu travailles. Ça, ce sont des choses accessoires. De toute manière, il y a des gens qui travaillent sans père spirituel. On ne peut pas me dire que j'ai l'exclusivité de prier pour que les gens aient du travail. Si moi-même, comme d'autres sont en train d'entendre, moi je ne peux pas. Si je connais des gens qui ne sont jamais allés dans une église, je suis là dans des hautes institutions. Amen. On acclame le Seigneur, parce que c'est la vérité. Amen. Tu vas avoir du travail, tu vas te marier. C'est pas possible. Parce que Satan même fait médicament, les gens se marient. Jésus a appelé ça chaud. Ici, ce sont des âmes. La seule chose qui comptait pour Saül à cette époque, c'est que la bénédiction la plus belle de sa vie, c'est qu'il retrouve ses âmes. Ça te limite par rapport à la grandeur de Dieu. Tout est lié à la vie de berger, tout est lié aux animaux. Montons ici, allons ici, les vaches, voilà ton monde. C'est là que tu es heureux. Mais Dieu dit, oh, qu'est-ce que c'est par rapport au destin glorieux que je te réserve? Tu vas régner sur tout Israël. Et à cause des âmes, il y a des gens qui vendent leur âme. À cause du matériel, tu vas vendre ton âme. Quelque chose que Dieu appelle sa chose. Si c'est pour la royauté, j'ai dit, bon, peut-être que tu avais raison. Mais ce n'est pas pour ça. Pour des choses. Des choses qui n'ont aucune valeur pour lui. J'ai dit, quand tu es voyagé, que tu sois marié, que tu meurs, ton mariage, à quel rôle il est là? Il n'est pas bon que l'autre soit seul sur terre. Elle doit venir t'aider à remplir la mission. Parce qu'il est important, c'est lui sa mission, son plan. Il vous amène tous à la royauté. Mais n'en fais pas une fixation. Amen. Ça va plus loin que ça. Quand il dit j'ai pour vous des projets de bonheur, ne pensez pas que c'est mon travail, c'est mon mariage.
c'est mon voyage. Non, c'est, je veux dire, en fait, vous rabaissez ton Dieu, vous le rendez trop petit. Hein. Vous imaginez pas qui il est réellement. C'est pas ça, Dieu. Dieu est plus grand que ça. C'est pourquoi lui, il ne peut pas te dire, il ne peut pas. Écoutez, c'est comme si à ton enfant, il dit, maman, est-ce que vraiment mon vœu le plus cher, c'est que le soir, là, tu fasses un petit poisson pour moi. C'est toi-même que Dieu, mais tu vas répondre quoi? Est-ce que même tu seras fier que l'enfant a dit, papa m'a fait un cadeau, c'est un petit poisson. Est-ce que tu seras fier? Toi, la maman. Et c'est comme ça, vous êtes en train d'humilier Dieu. Dieu n'a pas appelé le chrétien à un dessin que vous êtes en train de façonner et que malheureusement les pasteurs sont rentrés dedans. Est-ce que vous savez qu'une bénédiction de Dieu venant de Dieu pouvait être une nation? C'est de ça qu'on parle au livre ici. L'onction qui est descendue, que Dieu a déposée dans ma vie, c'est une onction pour faire les rois. Dieu m'a donné de vous transmettre. Même pas 1%. Mais déjà, 1%. Il faut aspirer aux choses grandes. Parce que tu n'es pas petit. Ce que Dieu a mis en toi n'est pas petit. Et l'homme qui n'a rien à côté n'est pas petit. Il a commencé par donner un exemple. De 90 à aujourd'hui, ça fait comment? 90 à aujourd'hui, ça fait comment? Elle n'a pas pris un. 26 ans. La dame n'a jamais pu quitter son local. En 3-4 mois, elle déménage, elle prend de nouveaux biens. À partir de la prière. Comment je vais appeler ça? Vous devez vous charger ce soir, entrer en vous-même, pour vous demander, est-ce que je me complais dans cette vie de berger ou j'aspire à la vie de loyauté pour aller diriger des nations? C'est de faire de toi un roi. Quelqu'un à qui Dieu donne le sceau pour notre roi. Donc il s'agit pour vous ce soir de comprendre que si Dieu m'a mis en connexion avec mon Père, je suis éligible. C'est ça que vous devez comprendre. Je suis éligible à la royauté. Mon fils, fais ça. Viens, pose telle action. Ou bien faisons comme ça. Bon, tu vas te dire, hé, alors ma fille, je l'appelle ma tête. Vous ne pouvez pas comprendre. J'emploie la royauté, ma fille. Mais je ressens ça. Et toi, comme tu ne vois pas, et comme Ephésiens dit, c'est dans les lieux célestes, c'est spirituel, tu restes dans notre ville, moi je suis là. Et tu ne veux pas venir. J'ai dans ma main ta royauté. On fait comment? Et Satan veut te complaire dans cette vie de bergère. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis ce soir? Tant que vous ne comprenez pas cela, vous ne serez pas prêt à rentrer en eau profonde. La vie que vous vivez là, excusez-moi, le roi, c'est que lui quand il dit, aujourd'hui on va prendre l'initiative de faire un programme dans la nation pour gagner 4000 âmes, c'est un roi. Et c'est ce à quoi Dieu vous appelle. Je vous dis, Dieu n'a pas besoin de vos compétences intellectuelles. Dieu n'a pas besoin de tes diplômes. Dieu n'a pas besoin que tu sois issu d'une famille riche. Sinon, les deux rois qu'il a établis avant les autres, il allait les prendre dans des familles de bergers. C'est-à-dire des familles pauvres, des familles qui n'étaient pas nantis. Et ça, c'est un principe spirituel. Il ne doit pas avoir deux conflits de force. Dieu est une puissance, il a une force. Il ne peut pas venir être confronté à une autre force. De peur que tu ne penses que ce n'est pas ta force. Donc, il aime prendre les faibles. C'est dans ta faiblesse que lui se trouve. Toi, qu'on rejette, c'est que tu es éligible pour être roi. C'est pourquoi on a rejeté Joseph et il a été roi pour ses frères. Est-ce que vous comprenez le principe? Est-ce que
Si on comprend le principe. Amen. La parole qu'on rejette Joseph. Pour que Dieu dise, ah ça, ça me plaît. Donc tant qu'on est en train de rejeter, il y a la crainte de la royauté encore. Les rois ne vivent pas les autres. Les rois sont combattus, les rois sont rejetés, ils sont toujours blâmés, on les accuse. Voilà, ça c'est le roi ça. Parce que la crainte en toi dérange. Maintenant il s'agit de quoi? Venir aux côtés de ton père spirituel pour que lui maintenant il te conduise à ce que tu vas aller prendre le trône. Amen. Je ne souhaite que cela s'accomplisse pour toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ce que je veux. Je ne veux rien dire dessus. Je veux que ce soir, quand vous allez rentrer toute la semaine, vous réfléchissez à deux choses. Est-ce que je veux vivre ma vie de berger ou je veux vivre mon destin glorieux de roi? C'est vous. Ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. Je vous donne un témoignage. Je ne sais pas si je l'ai déjà rendu ici. Missionnaire stagiaire. J'ai rencontré un tonton qui est venu un soir très amer, qui marchait à peine. On avait pratiquement fini le culte et puis il est arrivé. Et la missionnaire principale m'a dit, Israël, faut aller le recevoir. C'est vraiment. Quand tu vois la soeur, peut-être vraiment, il était. Le tonton avait une petite mallette et puis il me disait, elle est morte de Dieu. Voici un marché. Non, ça paye les fort. Quand tu regardes le monsieur, et puis tu regardes les papiers qu'il te montre, c'est parce que tu as la crainte de Dieu. Il a dit, faut prendre tes parents, tu as quitté le monde. Mais le monsieur est là, bizarre, et il te montre des contrats de 40 milliards. 50 milliards, j'ai dit bon. Est-ce que ça, c'est pas les escrocs? Non, mais missionnaire, j'ai quoi? Ça là, voilà, je dois signer avec des agents des impôts, je dois faire la maison. Je regarde aussi. Mais c'était pas faux. C'était un roi. À ce moment-là, je n'avais pas cet enseignement, mais je le dis aujourd'hui parce que j'ai compris. C'était un roi et lui, il savait et il croyait en cela. C'est pourquoi n'ayez pas peur de vos rêves. Voyez grand. Amen. Arrêtez de voir petit, voyez grand. On dit Dieu, il avait le critère que Dieu a pris pour le temps. C'est prémonitoire. On dit il était un fils jeune. La beauté chez Dieu, c'est quoi? C'est que tout le monde va t'admirer. Tout le monde va t'admirer. Tu seras un modèle. Amen. Et regardez ce qu'il dit encore. Et les dépassant tous de la terre. Quand tu dépasses les gens de la terre, ça peut voir petit rire. Il faut, c'est ce que Paul a dit. Vous n'avez pas reçu un esprit. Berger, là, c'est la vie de servitude. On peut destiner ton destin à seulement recevoir un salaire et puis à la fin du mois, jusqu'à 30 ans, on te dit au revoir. J'ai dit non à ça. Pendant que tu es en activité, que Dieu, par sa puissance, par l'onction du Saint-Esprit, par la connaissance des vérités cachées, que Dieu rentre dans ta vie, rentre dans ton salaire. Regardez, j'ai eu compassion. Un comme ça,
toi. L'onction. Est-ce que on va encore l'attacher à un arbre? Comme piège pour des côtés. Est-ce qu'on a vu des choses? Pour ne pas avoir comment quelqu'un pour casser sa colonne vertébrale. Tu as l'impression que ça va se disloquer. En fait, les corps sont en train de le lâcher. Le Seigneur est en train de délier. On a fini la prière. Depuis ce temps-là, moi, viens même en Tchakoto, je te donne des déroules de la pelouse. Voyez, c'est parce qu'il y a dehors qui compte. C'est ce que Dieu a mis en toi qui m'intéresse. Alléluia. C'est ça qui m'intéresse. Alléluia. Quand il dit de la boue, il t'amène à ta déroule. Comme lui descend, c'est là le Père spirituel attend. Il te conduit à la terre. Ça, c'est le rôle. Amen. Amen. Et pourtant, l'endemain, il est venu en priant. Une semaine, il m'a pas rendu. La deuxième semaine, je ne le vois plus. Trois semaines, je ne le vois plus. Quatre semaines, je ne le vois plus. Un mois, je ne le vois plus. Après ça, il a eu un culte de dimanche. À la maman, il est rentré avec une femme blanche. C'est ça, non? Une femme blanche avec le président de l'association des agents des impôts du trésor de Côte d'Ivoire sont arrivés à toi. Et il a pris le micro en costume, bien comme il a pris le micro, il dit, la femme blanche, c'est sa secrétaire. Acclamez le Seigneur. Amen. Donc il est venu rendre témoignage de la puissance du Saint-Esprit, de ce qu'il a vu dans cette mission, là où j'étais, de la manière dont le Saint-Esprit, c'est ça où tu veux comprendre, c'est le Saint-Esprit qui va mettre à l'existence ce qui n'est pas, c'est lui qui va révéler ta royauté, et il va la fermer, et il va la protéger, et il va la faire grandir, c'est son travail ça. Alléluia. Il dit que la première fois qu'il a pris ses bureaux à Bassa, à l'étoile du sud, parce qu'il est tellement acculé par les gens, donc il s'est retiré là-bas. Que séance tenant, demain, il part à Monaco parce qu'il a une audience avec le prince de Monaco. Je dis, nous-mêmes on est assis. Je me suis vu en Mercedes à Monaco. Les jours sans lumière sont finis. Quand tu es inspiré dans ta prière. Oh mon Dieu. Ah, c'est bon de te servir. Quand un jour tu te réveilles comme Agar dans le désert, tu lui as dit, voici l'eau et l'enfant a vécu. Mon enfant s'est passé. Alléluia. Tantôt est parti, il est parti d'elle. En lui, il y avait la royauté. Lui, il a cru. Il avait tourné. Les quatre étapes, il a fait. Il était à bout, au point que, parce qu'il avait un peu de ressources quand il avait commencé à perdre ses sociétés. Et il a commencé à investir dans les hommes de Dieu. Et c'est ça les quatre étapes. C'est pourquoi très souvent, quand vous arrivez à Samuel, vous êtes dépouillé. Tu ne peux jamais arriver à Samuel riche. Samuel arrivé à Samuel, il était fatigué. Si on lui disait, frère, il va tomber. C'est là que Samuel, c'est là maintenant, Samuel te présente. Tu ne peux jamais arriver à Samuel riche. Retiens ça. Donc si tu as rencontré un père spirituel dans ta gloire, c'est pas Samuel. On ne rencontre jamais Samuel dans sa gloire. Jamais. Jamais. C'est pourquoi il y a dans cette mission. Nous, vous tous, vous êtes pratiquement au même niveau, en devenir. Il n'y a pas quelqu'un qui a compris qu'il y a vivé. Jamais. C'est pourquoi cette mission qui va tous. Parce qu'on est en train de former. On est en train d'encadrer des rois. C'est comme une pépinière à roi, mais quand ça va éclater, je vous assure, aucun pays au monde ne sera étranger à ce qui se fera dans cette nation. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Car en toi, il y a la royauté.